Bonsoir les partageurs, les partageuses. Alors ce soir une petite recette pour revisite. Ce que je vais faire dans le moule oups et dans le moule torsade que vous avez. Donc le moule torsade est en promotion sur le mois de janvier. Et le moule oups vous le trouvez dans le catalogue comme d'habitude. Là je reprends la recette des madeleines framboises chocolat. Et au lieu de mettre des framboises, je mets que du chocolat. Donc pour ceci, comme je fais dans deux moules différents, deux œufs. Voilà, mes deux œufs. 100 ml de lait. 80 ml de sucre. 100 g de farine. 50 g de maïzena, 60 ml d'huile et 16 carrés de chocolat parce qu'au début je voulais faire dans le moule. Donc on va utiliser pour cette recette le Speedy 2 qui se compose alors d'une première partie, le pichet, sur lequel on va venir insérer le cercle, dans lequel on va venir insérer les 8 fruits qu'on va mettre dessus, comme ceci. Voilà, donc là on vient l'insérer tout pile dedans et on va venir ajouter cette partie avec la manivelle. Voilà, donc la manivelle se clipse, donc là je l'ai déjà clipsé, voilà. La manivelle vient se clipser, il faut entendre le bruit suivant. Voilà, un tout petit bruit. Soit. Donc pour cette recette, on va d'abord... Et vous avez aussi un petit doseur pour mettre au contact, goutte à goutte l'huile, tout ça pour la mayonnaise. Donc je vais venir casser mes œufs pour mettre dedans. Comme ceci. Voilà, avec ma farine, mon sucre je veux dire, pourquoi ma farine, je sais pas. Et là on va venir blanchir le tout en mélangeant en vitesse 1, parce que vous avez deux vitesses, donc la vitesse 1 et la vitesse 2. Donc on vient bien faire attention que la petite encoche blanche vienne bien sur le petit clip cela. Et que les deux encoches qu'il y a là, à l'arrière du couvercle, viennent bien dans la petite poignée derrière. Donc là, tout simplement, on va venir mélanger pour blanchir la pâte. Simple d'utilisation. Ça va rapidement goûter, rapidement blanchir. Comme je le disais, rapidement monter et blanchir. Voilà. Ensuite, je rajoute ma farine. Donc là, ça devient un peu plus dur. On passe en vitesse 2. Et ça va tout seul. Je vais venir ajouter ma maïzena.
avec la statue silicone. Ça va toujours tout seul en vitesse 2. On va venir ajouter de l'huile. Ainsi que le lait. Et là, on va venir mélanger le tout pour avoir une pâte bien homogène. Prête en 2-3 mouvements. Voilà. Désolée d'avoir laissé un blanc. Donc la pâte est prête. Je vais humidifier donc les moules. Comme vous voyez, il n'y a pas de crumeau. Voilà. Je vais humidifier mes moules comme d'habitude à l'eau froide. Et dans mes moules oups, je vais ajouter mes carrés de chocolat. Je vous fais voir juste après. Donc là, vous avez les madeleines en forme de oups. Et juste là, les madeleines en forme de torsade. Je vous mets le résultat en photo tout à l'heure. Et la recette en description comme d'habitude. Voilà. Bonne soirée les gourmands, les partageuses, les partageurs et les dégusteurs.